Voilà, ici repose Lampadaore. Je voulais écrire Lampadaire, mais j'ai fail. Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode, combien déjà, 12 de From the Fog, je crois. Et aujourd'hui, c'est la giga merde. Vous savez pourquoi? On va aller dans les grottes, ouais. Eh, j'ai pas envie d'y aller. J'ai vraiment pas envie d'y aller, mais il faut. Voici une raison de pourquoi j'ai pas envie d'y aller. Parce que, voilà, le petit bruit que vous venez d'entendre... Ah, c'est que des bruits que je connais pas là. C'est la merde. C'est la merde, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait là il y a tous les mobs du jeu qui ont été activés en même temps. Là il y a littéralement tous les mobs de mon mode pack. Waouh, ouais, non mais arrêtez s'il vous plaît, c'est un peu trop présent. Oh, mes golems, est-ce que je vais réussir à survivre? Je pense que dans cet épisode on va mourir hein. Oh lolo lolo. Ça va pensant, il y a personne à l'horizon. Aujourd'hui, l'objectif est simple, aller photographier les 3 dwellers que je n'ai toujours pas photographiés. Il y a 3 cave dwellers qui existent dans mon modpack que je n'ai pas pu voir parce que bah à chaque fois que j'allais miner en ligne droite, vous savez, hein, les mines au petit là. Et donc forcément, je n'ai rencontré aucun dweller pendant cette aventure. Mais aujourd'hui, il va falloir les photographier. Je vous rappelle, dans l'épisode précédent, j'avais photographié, comment il s'appelle, 2 entités. La première, c'était... l'entité du monstre de la cave. Vous savez, le monstre là qui a disparu, je ne sais pas. Putain, je vois. C'est vrai que Cartoon Cat, il bouffe la tête de mes golems quand j'y pense. Bordel. Enfin bref, je disais, le monstre de la caverne là, que lui, il n'est pas dans la liste. C'est pas moi qui l'ai rajouté. Donc, c'est le monstre de la caverne qui le fait spawn. Et la deuxième entité que j'ai photographiée, c'était Giant Alex, la creepypasta qui nous a tous fait peur quand on avait 12 ans. Même si je dis ça alors qu'il y a des enfants de 12 ans qui regardent ces vidéos. Mais tranquille. Donc, vu que j'ai photographié 15 monstres, là, il y a les 5 nouveaux monstres qui sont ajoutés à mon Minecraft. Et je ne sais pas c'est lesquels. Je sais juste qu'ils sont beaucoup plus dangereux que les 10 premiers. Oh putain, c'est qui lui? C'est qui lui? C'est qui? Cache-toi. Il peut pas venir. Oh les bruits de fou, wesh. Voilà, par exemple, ça c'est un des 10. Ah, je bégaye. C'est un des 5 nouveaux monstres, ça. Oh. Qu'est-ce qui se passe? J'en suis bien arrêté. Ils sont en train de péter ma base. Ils sont en train de casser ma base. C'est la giga merde. Venez, je vous attends. Ok, ça s'est arrêté d'un coup tout seul. Ça me fait encore plus terrifier que si ça s'était arrêté mal. Hein. Je vais doucement remonter, ok. Waouh, non, vas-y, le début des vidéos à chaque fois, c'est ça. C'est bon, y a personne. Oh, mon Dieu. Ok, c'est bon. Y'a aucun golem qui est mort. Oh, Pedro 2, non! Vite, il faut du fer. Oh, Pedro 2, il a failli clamser. Ok, c'est bon. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Espèce de bâtard. Non, j'ai buté un des golems! Meurs! Elle fait trop mal, l'arme. Oh mon Dieu, c'est qui, lui, là-bas? Non, c'est l'autre. Attendez, je vais essayer de le prendre en photo. Ok, c'est bon, je l'ai pris. Ah, il s'est barré dès que je l'ai pris en photo. Dors. J'ai joué d'or. Genre, dors ninja, juste d'or. Oh mon Dieu, c'est quoi ce début d'aventure? Non, j'ai perdu un golem. Putain, il m'en reste plus que 2. Oh, et c'est moi qui l'ai tué. Vas-y, je dois refaire une tombe. Qu'est-ce que... Oh. C'est qui, lui? C'est un monstre ou pas, lui? Bah, j'ai l'impression, oui, quand même, mais bon. What the fuck? Je crois que j'ai même pas besoin de... Quoi? Oh, j'ai pas besoin d'aller dans les caves. Attendez, je vais prendre en photo. Non. Non! Il s'est barré. Il était en train de buter des trucs. Qui est-ce que c'est que ça? C'est un cochon mort? Oh, il a buté un cochon mort? Il a buté un cochon plutôt? Attendez, je suis choqué de la technicité des monstres là. Ils ont l'air 10 fois plus bizarres. Oh, Dame. C'est lui qui vient de buter tout ça là, on est d'accord. Hein, c'est vraiment lui qui vient de buter tout ça là. Oh, ok, génial, allez. C'est un monstre qui fait apparaître des... Oh là là. Mais pourquoi je continue cette série, moi? Bon, déjà, j'ai réussi à prendre... Oh mon Dieu, mais il y a tellement d'XP. Il y a tellement de trucs qui sont morts ici. Ok, on va aller dans les caves. Ça va être la giga merde, je pense, mais il faut. Il me reste 3 golems. Les 3 warriors. Vous restez en vie, ok? Vous protégez la base. Il y a toutes mes poules qui sont en train de pondre, c'est normal. Moi aussi, je suis en train de pondre si j'étais une poule. Tellement flippant ce qui se passe actuellement, frère. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont plus intelligents, les derniers monstres là. Vous avez vu, on vient d'en avoir 2 là. 2 différents. J'ai l'impression qu'ils sont doués d'intelligence. Quand je l'ai pris en photo, le monstre là, il s'est barré. Pour vous dire, il s'est barré. Et l'autre, il est en train de buter des mobs, il a laissé un cadavre. Enfin bref. On va aller dans les caves. On va essayer de photographier le plus de monstres possible. J'aimerais en photographier encore au moins un pour cet épisode. Et ça sera déjà plutôt pas mal. Oh non, regardez, il a laissé encore un autre cadavre là-bas. Là. On va les enlever plus tard, les cadavres. Objectif, photographier un dweller. Et ça, c'est terrifiant parce qu'on va devoir utiliser ce chemin.
Super, direct j'arrive dans le chemin, il y a des bruits bizarres. Ce chemin que je n'ai pas utilisé depuis énormément de temps et j'ai plus énormément de balles, il me reste une centaine de balles, c'est la merde. Après mon arme fait très mal, hein, je tiens à le rappeler. Si c'est vraiment vraiment la merde, je pourrais spam l'arme, au moins je vais peut-être tuer des monstres. Alors pourquoi j'utilisais plus ce chemin? Tout simplement parce que j'allais miner en mine opti, parce que vous vous rendez bien compte que non merci, hein, tu mines pas avec des dwellers dans Minecraft. Le seul moyen de réellement choper beaucoup de diamants facilement sans mourir, c'est d'aller en mine opti. Frère, je suis dans les mines. D'accord, c'est juste un petit coup de pression, Eric, qui m'a mis. Super, hein, merci Cartoon Cat. Mais vu que nous... Oh mon dieu, c'est bon, je me rappelle. Oh là... Oh putain, j'ai eu peur de ça, là. J'ai eu peur du cuivre. Non, je vous jure, on peut faire un truc... Eh, on peut dire que j'y vais pas, en fait. Mais dans quel bourbier je me mets, moi? Après, je vais aller faire des caves. Oh là là. Allez, c'est bon. Oui, moi, je le ferme, hein. Faut que j'arrive à surpasser ma peur. J'ai toujours voulu aller par là-bas. Et je vais y aller. Là, il y a des dwellers dans ce monde. Et ça, c'est terrifiant. Allez, hein, je fous le diamant, je vais pas mourir facilement, puis voilà, c'est tout, faut juste que je me dise ça. Oh mon... Mais putain, tu spawns ici, toi? Y'a déjà une tag... Oh, il se rapproche quand je le regarde pas. Frérot, dégage. Regardez, elle va se rapprocher quand je vais pas la regarder. Dégage, j'ai juré, dégage. Faut que je me casse, faut que je monte en hauteur, il faut pas qu'elle me chope. Frère, elle monte de fou, elle veut pas arrêter, va-t'en, merci. Oh, elle a disparu. Oh putain, non mais vas-y, même Giant Alex vient dans les caves, c'est un signe ça, wesh. Elle est pas censée pouvoir venir dans les caves, hein, mais bon, je vais rien dire. Bon, ok, objectif récupérer des minerais, comme j'ai dit. Au moins, quand on arrive dans les caves comme ça, ce qui est bien, c'est qu'il y a 1 milliard de minerais partout. On va essayer de rester en hauteur le plus possible. Oh. Qui veut me tuer? Les coups de pression, les bruits là, c'est des giga coups de pression. Je vais essayer d'aller par là-bas. Je pense que là-bas, il y a 1 milliard de trucs. Je pense que là-bas, il y a peut-être des monstres aussi. On continue à récupérer un petit peu plus de fer. Je vous jure, je suis pas serein. Je pense que vous êtes dans la même situation que moi là. Vous êtes pas serein, hein. L'idée de me regarder est en train de... J'ai crash? Non, c'est bon. Je suis sûr, vous êtes pas serein en train de me regarder, en train d'explorer les caves, quoi. Faut y aller, hein, quand même, hein. Mais moi, ma stratégie de passer en haut, je pense qu'elle va fonctionner. On va faire que ça, passer en haut. Pour l'instant, RAS en termes de monstres. Mais il faudrait que j'aille en bas, hein, pour les faire spawn, je pense, hein. Pas envie. Mais qu'est-ce que j'ai pas envie? Putain de merde. Ok, hein, voilà, hein. Je suis descendu, mais peut-être que j'aurais pas dû. J'ai l'impression qu'il y a des monstres tout autour de moi, là. Oh, putain. Pourquoi je suis descendu? Ah, juste à gauche, il y a Cartoon Cat. Vous le voyez ou pas? Mais je pense qu'il y a un monstre encore plus terrifiant que Cartoon Cat, là. Vous entendez grogner? Putain de merde. Dégage-toi. Ah, putain. C'est bon? Les grognements, c'est fini? Cartoon Cat, il a disparu. Frère, c'est quoi le monstre qui grogne? On l'avait déjà entendu beaucoup de fois. Beaucoup de fois dans les caves quand j'y étais allé, hein. Mais là, vraiment, je ne sais pas qui est le monstre qui grogne. Putain, espèce de bâtard. Ça l'a pas tué, j'ai mis un full chargeur. Fui, il est trop fort. Il est plus là, il est où? Il s'est barré, Cartoon Cat. Dégage, quoi. Oh, je lui ai mis un full chargeur, il est pas mort. Non, je vous jure, c'est impossible. Regardez la vie qui m'a enlevé. Frère, mais attendez, c'est quoi ces monstres qui me tapent et qui me laissent à moitié en train de crever et puis ils se barrent? Oh putain de merde. Ok, on va peut-être rentrer. Je vous jure, on va rentrer, c'est impossible. C'est qui lui? À gauche? Oh putain, c'est lui. Oh, frérot, espèce de petit bâtard. Ok, moi je rentre, vous savez quoi, je rentre. C'est bon, je ne vais pas perdre plus de temps ici. Ici c'est la mort, je me casse, hein, voilà. Je voulais faire le malin à aller dans les caves. Pire idée du monde. On va manger une pomme en or. Putain de merde, oh putain de merde. Puis Ninjax, puis... Cours, t'en compte pas. Oh putain, il est juste derrière. Je veux plus aller dans les grottes. Je vous jure, je veux plus aller dans les grottes. Désolé, je veux plus aller dans les grottes. C'est horrible. C'est par où chez moi? Je sais même pas où c'est par où chez moi. C'est là-haut. Oh, il y a le cave dweller. Attends. Laisse-moi prendre une photo. Il est où? Non, il y avait le cave dweller. Oh putain. Oh, vous avez entendu? Ouais, il est peut-être là, en fait, le cave dweller, là. Il est peut-être sur mes côtes. Oh putain, je me casse. C'est pas possible, les grottes, c'est la mort. C'est le nid à mort, les grottes. C'est simple, c'est tu vas dans les grottes, tu meurs. Je sais pas où est le cave dweller, mais vas-y, c'est plus mon problème. J'irai le prendre en photo plus tard. Je le ferai sortir de là où il est, c'est bon. Oh putain, oh, c'est bon, j'ai compris, je me casse. Oh, mais vas-y, mais...
prends des pincettes, hein, vous avez vu, je suis tout calme, tout, je fais attention à tout ce que je fais. Bordel de merde, même le jeu comme ça, il est dur. Mais c'est bon, c'est mort, je vais plus dans les caves. Je ne vais plus dans les caves. Aller dans les caves, c'est signer mon arrêt de mort, tout simplement, hein, voilà. Putain, j'ai même pas réussi à prendre... Je l'ai vu, le cave dweller, je l'ai vu, j'ai pas réussi à prendre une photo. Pas grave, la base, je suis heureux, je rentre à la maison. Pas des robines devant moi, s'il vous plaît. Ok, ça... putain de merde, c'est pire qu'Heroine ça, c'est pire qu'Heroine. Non. Oh, mes frères. Eh, ça se voit que j'ai mis les 20 modes, là, hein. Il y a forcément des... Oh, lui. Je l'ai pris en photo. Oh, putain, Herobrine. Oh, pourquoi c'est un Herobrine vivant? Ok, c'est barré, c'est bon. Oh, je dors, je peux pas dormir, forcément. On va attendre la nuit. Voilà, on va attendre la journée ici. Au moins, la journée, j'ai pas de problème, donc on va l'attendre ici. Mais bordel de merde, qu'est-ce que c'est dur, hein. Bon ouais, la vraie question c'est maintenant, comment je vais faire pour les prendre en photo? Là je vais pas vous mentir que je sais même pas quelle photo j'ai eu, quelle photo viable. J'ai pris des trucs en photo mais j'ai flippé trop, hein, je suis désolé, hein, je suis une zoulette. Ouais, me regarde la poule là. Arrête de me regarder, tu me fais peur. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre littéralement le film et on va voir ce que j'ai réussi à prendre en photo. Pas grand chose, hein, je pense. Je pense que je vais pouvoir en passer à la photo d'Herobrine. J'ai eu un plus beau Herobrine, parce que là on le voit pas vraiment, hein, vraiment. Mais enfin bref, imaginons que je regarde... Oh là, si j'ai eu lui. Lui, c'en est un nouveau. J'ai eu deux nouveaux, hein, quand même. Et là, j'ai une photo d'Herobrine. Déjà, je vais l'imprimer, la photo d'Herobrine. Regardez comment il est bien, là. Comme ça, je pourrais... Oh là, je ferme cette porte, là. Non, mais à vous. moi, je flippe actuellement, donc je vais fermer toutes les portes du monde. Il fait jour, mais bon, vas-y, j'ai peur. Je ne sais pas quoi faire. Même si j'ai eu deux nouveaux monstres, il m'en reste trois à photographier. Après, c'est pas plus mal. Peut-être que pour la prochaine fois, je vais... monter un plan pour les photographier plutôt. Genre, peut-être un piège. Ça serait intéressant à faire aussi, ça. Hop là, nouvelle photo d'Herobrine. Putain, mais regardez son t-shirt, il est trop bizarre. Il est pixelisé et tout. Il montre même pas sa tête, hein. À chaque fois que j'ai essayé de le prendre, on voyait jamais ses yeux. Même là, on les voit pas. Bon, dans tous les cas, c'est pas très grave. Je remplace cette photo. Voilà, là, j'ai une vraie photo d'Herobrine et ça, c'est cool. Pour la deuxième photo, il y avait celle-là. Qui est-ce que c'est que ce monstre? Mais regardez les griffes qu'il a. Vous voyez les griffes qu'il a ici, là? C'est une dinguerie. Il a deux têtes. C'est un dweller. C'est carrément un dweller, il me fait penser au Gottman un peu. Je vais la prendre en photo, bah je vais l'imprimer. Moi qui voulais trouver deux mobs aujourd'hui, bah je les ai trouvés. Ce qui est bien en vrai avec la série. À la base je me suis dit, non vas-y, je vais devoir chercher les monstres et tout. Aller dans des biomes de fous parce qu'ils vont se cacher. Mais les monstres ne se cachent pas. Les monstres veulent ma mort, donc ils apparaissent tout le temps les monstres. Oh, vous l'avez vu? C'est vrai que lui aussi il est terrifiant, hein. Frérot, pourquoi tu veux pas partir? Par contre, je me suis rendu compte que je... Par contre, je me rends compte que je suis habitué à la peur maintenant. Je dis ça, j'ai flippé dans les caves, là. Hop, je prends la première photo. La deuxième photo, c'était quoi? C'était lui. Oh, je le vois pas assez bien. C'est un genre de cerf. Et là, il est caché par le tronc. Regardez, je ne peux pas vraiment prendre cette photo. Je suis obligé de prendre celle-là. On va prendre celle-là, mais lui, j'aimerais bien refaire une belle photo, hein. C'est un genre de cerf. Arrêtez! Je suis gentil et j'ai peur. Arrêtez. C'est un genre de cerf qui fait appel à la puissance de la nature. Je suppose. Enfin, je sais pas, mais il est horrible, quoi. Et bon, je pense que j'ai une giga idée. Dans le prochain épisode, on va essayer de tendre un piège au dweller, aux trois derniers mobs que je dois prendre en photo. Je sais qu'il y en a deux, il y a deux dwellers. Il y en a un que j'ai pris en photo, c'est lui. Mais lui, il a deux têtes, il est horrible. C'est quoi ce monstre? Vous avez vu comment il a spawn? On aurait dit le Gottman. Frère, regardez ça! Oh, la dinguerie! Pas très grave, hein. Et le deuxième, c'est lui. Hop. Et on le voit un peu, là. Oh, 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 oh. C'est que pour mettre des coups de pression, ces sons-là, hein, mais bon. On le voit un peu, on dirait un genre de cerf avec des bois. Écoutez, dans tous les cas, moi, j'ai une idée, là. Je vais essayer de tendre un piège au cave dweller qu'on a vu tout à l'heure, que j'ai pas pu prendre en photo. Je sais qu'il ne sort pas des grottes, donc il va falloir que je reste dans les grottes. Il va déjà faire nuit, c'est une dinguerie, comment ça passe? Oh, putain, je suis tombé dans la lave. Je vais aller dans une micro-cave. Vous savez, les caves qui sont juste sur le côté, là. Voilà, genre ça, là. Ça, c'est micro-cave. Ça, c'est le mec avec les serres, hein, avec les bois de serre qui me les ramène, hein. Dégagé, j'en veux pas, wesh. C'est horrible. Je vais essayer de faire ça, et on va voir si ça fonctionne. Que si ça fonctionne réellement, bah, ça serait pas mal. MDR. Logique, j'ai envie de dire. Arrêtez. Oh putain, regardez, il y en a deux là. Oh non, il y a le monstre de la caverne et il y a l'autre là. Oh, regardez-le. Oh putain! Je l'ai pas regardé. Viens ici. Dis à ton maître que je le déteste! Je l'ai tué! Oh, putain, il était si simple à tuer! Je viens de le tuer? Je viens de l'abattre pour de vrai? Il est mort là, non? Il y a de l'XP. Non, il est carrément mort. Je viens de le bannir. Mais peut-être je l'ai banni, hein, ça serait cool, hein. Moi, je m'en plaindrais pas, hein. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? J'ai jamais eu ce bruit de ma vie. Il se passe quoi là? Oh là là. D'accord, je me casse.
Je suis trop resté... Vous avez vu, je suis resté dehors 5 minutes. Qu'est-ce qui vient de se passer? Enfin bref, écoutez. Bonne nouvelle, j'ai réussi à buter le sous-fifre de la caverne, là. Donc ce qui va se passer, je pense... Parce que là, je commence à péter un câble. Moi, je commence à flipper dans cette série horreur. Je vais gentiment finir de prendre en photo les monstres que je dois prendre en photo. Après, je vais aller traquer tous les monstres. Et je vais tous les emprisonner ou les tuer. Voilà, ça, ça va être l'objectif, ouais. Ça, c'est un super objectif, bordel de merde. Traquer les monstres et les tuer. Avec Pedro 2, mon pote. Voilà, exactement, c'est ça ce qu'on va faire. C'est une super idée. J'ai déjà réussi à buter le Gottman. J'ai déjà réussi à buter. Je viens de buter le monstre là. Donc, je finis de prendre les trois derniers en photo. Puis après, je vais péter la gueule au monstre, wesh. Ok, on va dormir. J'aimerais juste faire un dernier truc avant de finir l'épisode. Là, je suis très content. Je vous ai expliqué mon plan. Je vous ai expliqué ce que je voulais faire. J'ai réussi à prendre en photo deux trucs. Je suis allé dans les caves. D'ailleurs, j'ai récupéré un peu de fer. Qu'on va pouvoir se faire peut-être un petit. Un petit golem. C'est quoi ces bruits? Oh putain de merde! Oh putain de merde, c'est qui lui? Non, il est mort! Putain, les golems, ils m'ont tué! C'était qui lui? Non, c'était un des dwellers que je devais prendre en photo. Ah non, j'ai le seum. Il a spawn devant ma base, il a spawn dans ma base, ce bâtard. Je l'ai même pas détecté, mes golems, ils l'ont défoncé direct. Tant mieux. Qu'est-ce que tu fous là, toi? J'ai un peu envie de me dire que c'est un faux golem. Ah oui, je dis ça, il y a un bruit bizarre. Non, est-ce que t'es un vrai golem, toi? Putain, est-ce que c'est un vrai golem? J'ai peur de m'approcher qu'il me bute. Je vais pas le faire, hein, vous savez quoi? On va redescendre. Comment il est monté? C'est pas possible, un golem, il peut pas monter comme ça, là. Dites-le moi dans les commentaires si je dois le buter ou pas. Je vais dormir et je vais faire mon dernier truc que je voulais faire et après, voilà. L'épisode aura été assez bien. Je suis allé dans les caves. J'ai réussi à aller dans les caves. Moi, je suis heureux. Tout le monde est heureux. Et mon hélico. Ça a l'air d'être un golem, hein. Dites-moi dans les commentaires quand même si je le bute ou pas. Faut que j'aille voir un truc dans le village de là-bas. Vous vous rappelez des deux monstres qu'on a tués avec l'infection? Ils avaient dit qu'ils allaient infecter les villageois. Faut que j'aille voir si les villageois sont réellement infectés ou pas. Parce que s'ils sont aussi infectés, c'est une menace en plus, hein. Il est là, le village, ok, parfait. Alors, est-ce qu'il y a des villageois déjà? Là, je vais pas faire l'erreur, je vais le récupérer mon avion, hein, bien sûr. Nickel. Alors, c'est un peu calme quand même, hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Messieurs les villageois, j'ai besoin de vous poser des questions. Il y a personne. C'est en train de me trigger. Pourquoi il y a personne? Quoi? Non, pas ça, pas le bruit de monstre. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon dieu, le bruit. Qu'est-ce que c'est que cette statue?